Salut à toutes et tous, c'est Lipidision 6. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Pokémon Jaune. Et ouais, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo de Pokémon Jaune. Alors la dernière fois, oui, alors j'ai un peu avancé, oui, parce que j'ai fait une vidéo il y a super longtemps avec une personne qui s'appelle Julien, c'est tout ce que je peux dire, hein, parce que normalement il m'avait donné le droit il y a longtemps de dire, de citer que son prénom, il s'appelle Julien. Et donc le truc c'est que cette vidéo, je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Pourtant j'ai sauvegardé partout, hein, je l'ai mis dans des clés USB, dans des CD, partout. Et quand j'ai essayé de la voir, soit elle était illisible, soit elle n'y était plus. Et dans l'ordi, vu qu'il a été emmené à Darty, ça c'était normal, mais je le cherchais un peu partout. Et je sais pas pourquoi, la vidéo est introuvable. Donc c'est pour ça que je vous dis tout cela. Donc on est arrivé donc dans cette vidéo de la dernière fois il y a longtemps. On était arrivé à Parmanie en battant tous les dresseurs du chemin de la piste cyclable. Alors aujourd'hui on va s'occuper de cette arène. Alors normalement si tout va bien, je dois avoir la CS. Ouais voilà, toutes les CS, mes Pokémon aussi. Force, ouais, surf. C'est cool. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va affronter Koga, champion de Parmanie. Puis on va se faire le chemin pour remonter vers l'avant-ville et faire le grand tour et passer cette fois-ci à Safrania pour la suite du jeu. Mais pour le moment on doit se frotter à Koga, le champion de l'arène de Parmanie. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par les deux premiers dresseurs. On va faire celui qui est le plus au bout, parce que celui-là on peut jamais le... pas l'atteindre, hein. Si vous remarquez les petits points, les 4 points à chaque fois alignés matérialisent, voilà, j'ai du mal à m'exprimer, matérialise une barrière. Donc voilà, c'est pour ça qu'on affronte en premier. Et nous alors Pikachu, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc on va voir ce que ça donne. C'est quoi, c'est tout? Ah, et d'accord, Kadabra, tonnerre encore, ah, entrave, ah, super. Paf, ouais, non. Tonnerre, soin. Toc, tonnerre. Paf. Oh, non. Ah, voilà. Plaquage. Oh, ouais. Ah, shit. Shit, fait chier avec son soin, mais plaquage deux fois. Il va spammer l'attaque soin, ce petit bâtard là. Voilà, ça t'apprendra à spammer cette attaque. Soporifique, on peut faire venir quelqu'un d'autre. 34, 35, 31. Ah ouais. Oui, pauvre Coups là. Il faut faire jouer Roukoups, parce que sinon il va être un peu trop distancé. Il va falloir une nouvelle fois que je fasse du level up, et c'est pas trop, j'ai pas trop envie. Ouais. Ah merci. Elle attaque. Ouais. Ah. Normalement ça devrait aller. Ouais ça va. Allez cruel, vas-y. Ouais, bien joué petit. Bravo, bravo. Félicitations à Roukoups. Alors on va mettre Roukoups devant. Allez. On va affronter le deuxième. La force, pas Glop. La stratégie, Glop. Viens là, pas bouger. Et mange ta mandale. Ouais. Il y a eu sûrement des erreurs de traduction. Mange ta mandale. Ouais. Okay. Je voulais plutôt dire mange ta sandale. Apparemment, il y a eu une faute de traduction. On va faire vol. Ouais, voilà, de toute façon, il est faire un coup de boule. Oh, bah en plus, on évite ça. Ouais, c'est cool. C'est pas cool. Eh merde.
Bon, c'est pas grave. Bon, tant pis, hein, on lui fera faire du level up, hein, et puis flûte. Papy Illusion est niveau 33, lui. Si on, on affronte un niveau 38, hein, aussi, voilà, je veux pas faire le rageux, mais on affronte un niveau 38 aussi, hein, faut se calmer. Voilà, moi, il a empoisonné mon Papy Illusion, moi, je l'ai endormi. Donc, on va pouvoir spammer choc mental. Erreur. C'est pas grave. Oui, bah, réveille-toi, poudre dodo. Ah, t'es casse-boulette. Ouais, ouais. Ma couille aussi. Non, mais sérieux, putain. Ah là là, ça commence déjà à me faire chier, ce jeu. Super. Ah là là. Bah oui, tiens, tu sens mieux. C'est maintenant que tu dis ça, banane. Ah bah non, bah j'étais obligé de faire du level up. C'est obligatoire, j'étais obligé. Une bande de bananes sur pattes. Ça va, crève un jour, non? Bah oui, tiens. Bah oui, tiens, pourquoi pas, bien sûr. C'est tellement facile, c'est tellement sympa. Tellement rigolo. On va tenter. Petit souci. Hop, Fouillian. Fouillian. Oh, psst. Fouillian, voilà. Il arrive plus ce matin. C'est pas la journée. C'est bon. Oh, le casse. Voilà, le casse. Castub. On va appeler le Castub. Alors, je vais être un ninja pour faire Ya. Ouais. Lol. Ah là 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 là. Bien, c'est cool. Alors, non. Alors oui, force à l'époque, dans les anciennes versions, jusqu'à, je pense, je crois que c'est Saphir et Ruby. Force, enfin, et aussi Emeraude, force était l'attaque la plus cheatée, enfin, une des attaques les plus cheatées. Parce que en un ou deux coups, vous pouviez tuer n'importe qui avec force, vu que c'est une attaque de type normal, à part bien sûr les types proches. Mais vous pouviez faire au moins des combats ultra rapides. Voilà, regardez, j'ai rien que force. Je fais un petit coup de flamèche et coucou je panier le cadabra. C'est tout simple. Allez hop. Coucou je panier le cadabra. Alors, soporifique. J'espère ni avoir ni bug, ni problème de machin, parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Camtasia. Si il y avait ne serait-ce qu'un seul bug, je vais péter un câble. Non mais choc mental, c'est bon là, tranquille. Bah oui, deviens fou, deviens dingue, bah ouais. Bah tiens, pourquoi pas, si tu veux, tiens, bah oui, allez. Ça c'est vraiment du cheat complet, ça. Super, bravo. Allez, Fuse Noob. Fais quelque chose d'utile, tranche herbe. Bon bah ça c'est fait. Bonjour.
Je vais être un ninja et sauter d'arbre en arbre, comme à la télé, comme X-Port. X-Port, le gorée de l'espace. Je me demande ce qu'ils prenaient chez Game Freak à l'époque. Des analgésiques, des laxatifs, des champignons hallucinogènes. Parce que là, ça devient très très louche. Bonjour. Oh, maman toutou qui veut-tu? Bonjour. C'est bien, un bon toutou. Un gentil chien ça. Bon, après cette intervention canine. Oh, tu es beau, toi, beau, oh, tu es beau. Allez. Va, Joby. Va, Joby, va. Voilà, assieds-toi. Fais le bon toutou. Voilà. Alors. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux parler à la vidéo, toi aussi? Bon, oui. Oh, c'est bien. Alors. Sablero, non. Ah, blaireau, tu es un blaireau. Bah c'est comme dans Touche pas mon poste, c'est tu sors, tu sors. Bon, bah je m'en vais, hein. À toutes. La blague pourrie. Ah, paf. La blague pourrie. Ouais, voilà, maintenant vous savez, vous connaissez mon secret le plus obscur. Attendez. Voilà, petit bug. Il y avait une chose qui mordillait un peu sur la vidéo et c'est pas joli. Ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, vous connaissez mon secret, j'adore l'émission Touche pas mon poste. Pour ceux qui connaissent, hein, vous me dites. Si vous connaissez pas, vous regardez D8 et vous saurez à 18h, entre 18h25 et 18h30, le temps qui commence. Parce que D8, c'est les champions de la pub. Alors, bah, pour une attaque qui est pas très efficace, ça fait mal, hein. Je veux pas t'embêter, mais bon. Comparé à charge, voilà quoi. Non, mais sérieux, mon Florizarre est encore charge. Mais charge. Mais non, mais allô quoi. Non, je plaisante. Non, mais sérieux. Un Florizarre avec charge. Non, mais oh. C'est, je sais pas moi. C'est comme si vous mettiez un moteur de 20 chevaux dans une Formule 1. C'est. Et comme il dit le joueur du grenier, c'est comme mettre de la chantilly dans de la merde, ça pourrait être beau, mais ça sentira toujours aussi mauvais. Je comprends pas le chemin, parce que le chemin, en fait, vous voyez le chemin sur le côté, on traverse, et puis il y a l'autre qui nous gêne, donc je comprends pas le système de ce chemin. Tant pis, hein, c'est Nintendo, hein. C'est Game Freak, hein, c'est eux. Pas bouger! Nos jolis murs invisibles sont sympas, non? Invisible n'est pas vraiment le mot, hein, on les repère facilement quand même. Alors, Dompteur. Communément plutôt appelé Sadomaso. Joue avec Sablero. Lol, non, je plaisante. Foualian, tiens. Bon, voilà. Allez hop, c'est fait. Un Sablero en moins. Arbok. On va changer, on va mettre Pikachu. Allez Pika, à ton tour. Fais-nous un joli plaquage. Ouais, bien. Beau joli coup, dis donc. Hein. Morsure. Mouais. Ultima point. On va tout te faire, mon petit. Ultima point. Darvenin, non, non, oh, je sais même plus si j'ai encore des antidotes. Au pire, s'il faut que j'en achète, tonnerre, popopo, allez, ça c'est fait. Pikachu niveau 35, c'est super. Reste des antidotes. Ouais, cool, super.
Oui, parce que dans le fond, vous l'entendez pas forcément, mais il y a les essais de Formule 1. Et moi, j'adore la Formule 1, moi. Et vous avez le privilège d'avoir une vidéo pendant la séance de Formule 1. Enfin, la séance d'essai, vous avez eu de la chance. Koga fait partie d'une grande famille de terribles ninjas. Et toi, d'où viens-tu? Qui es-tu? Pourquoi? Alors, donc, je viens de Levin, enfin, Nice, plutôt, enfin, presque. Je m'appelle Lipiti, 0670. Pourquoi? Bah, parce que, voilà, je fais des vidéos sur YouTube. Ça, voilà, ça te regarde? Espèce de banane. C'est bon, monsieur l'inspecteur? Non, mais sérieux. Le jongleur. Flo-Flo. Alors, Flo-Flo, on va lui faire faire. Tranche herbe. Coup de boule. Je te rappelle, mon petit sous-profil, que Florizarre a une meilleure stat en défense que Pikachu. Voilà. Bien, niveau 36. Ah merde. Bon les copains, avant d'affronter Koga, je vais faire une petite pause. Puisque je vais faire soigner mes Pokémon, faire un tout petit peu de level up et faire pas mal de petites choses. Allez, je vous retrouve juste après. A tout de suite. Re tout le monde. Donc, ouais, voilà, j'ai fait ma pause. Ça doit faire au moins peut-être 40 minutes que j'ai pas joué. Enfin, que j'ai joué. Pourquoi je dis pas joué, lol. Alors, j'ai fait beaucoup de level up. J'ai passé mon coup niveau 35. Pika 36. Ça a été rapide. Puis Papillusion 35. Carbov 35. Reptincelle 35. Bon, ça, je crois qu'il a pas bougé. J'ai même pas besoin à faire. Et puis Vali Valouf. Bon, allez, on va aller affronter le champion. Par le sang et par l'acier, le charme qui pleut. Et pour ceux qui connaissent la série Shaman King, moi je dure quand même quelques épisodes, mais c'est juste l'intro que j'ai surkiffé. Mais bon, passons, revenons à Pokémon avec Mimitos comme premier. Oh putain. Ah merde. On va jouer sur les faiblesses parce que là, on va se faire manger tout cru. 44. Oh là 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 là, putain, c'est pas possible, toi, je l'ai vu. Je l'avais oublié ça. Bon, alors, on continue. Oh, heureusement que j'ai évité Psycho. Bueno. Ah mince, je l'ai pas évité deux fois. Eh merde. Thank you.
Carrément. Pas pu l'éviter là. Allez, faut spammer l'attaque tunnel le plus possible qu'on peut. Et merde. Merde, pourquoi j'ai choisi ça? Mais ça va, tranquille, reflet. Voilà, porte tes couilles au moins. Il perd comme un homme. Putain. J'aime le... Oh non. Allez. Courage mes frères, on y est presque. Courage. Allez, courage mes frères! Non! Allez, Papillusion! Courage! M'en fiche si c'est contraire! Mais attaque, fais-lui mal! Merde! Mais... Banane! Oups. C'est pas grave, vas-y! Ouais, allez! Oui! Ah bah finalement c'était pas contraire, c'est bon. Putain, j'ai peur. Eh ouais, j'ai prouvé ma valeur. Ah, j'ai le badge âme. Pour remonter la défense des pokés, il te permettra d'utiliser surf. Attends, prends ceci. Et je reçois la CT06 qui est toxique. Qui existe depuis 400 ans. Voilà. Non, parce que je connais le jeu par cœur. Allez, on va aller se diriger vers le centre Pokémon. Quelle grande victoire! Et ouais, comme on dit, l'habit ne fait pas le moindre, c'est pas parce qu'on a 10 niveaux de plus qu'on ne peut pas se faire rétamer. Bon, si s'il était plus malin, il aurait choisi des attaques qui faisaient mal à chaque fois. Alors, bon, on continue. Yep. Fais quoi? Pokémon. Ouais, bon, on va continuer comme ça. Bon, allez, on va faire la route direction l'avant-ville, et après on verra.
Et hop, en route, direction l'avant-ville, par ce côté. Allez, attention, première dresseuse. Je veux me battre avec mes Pokémon. Ouais. Chétiflore. Bon, bah ça va. Mystère, le prochain. Oh le salaud. Oh, le cochon. Lol, c'était pas la bonne attaque. C'est mieux. Putain, il a une sacrée défense le cochon. Bon, ça va là, tranquille. Merci. Je peux appeler des Pokémon oiseaux rien qu'en sifflant. Ah, ça c'est un dresseur de... Voilà, de Pokémon vol. Oula, un peu faiblard ton Rookups. Ah bah oui, carrément. Ça va là. Lui il spam cyclone, moi je spam vive attaque. Voilà, merci, enfin. Pikachu, à toi de jouer. Pikachu, à toi de jouer. Tonnerre. Ouais. Bon, après ce coucou, au moins on est tranquille. Suivant. Mes oiseaux ont peur, tu es fort toi. Ornithologue d'Odrio. Pourquoi je fais ça? Waouh. Thank you.
Allez, choc mental encore. Voilà, bon. Alors, ah, encore un, c'est deux duos. Lui, il a pas le choix. Voilà, ça, c'est fait. Bon, bah au moins, enfin, on l'a battu. Tranquillou. Ah, recoupe ses volus. Attention. Roux carnage donc. Bonjour, j'ai des Pokémon parce que je vis toute seule. Ah. Bulle bizarre. Alors. Ouais. Bon, bah ça va. Oh non, mais non, pourquoi ça? Tiens, mange. Air bizarre le prochain. Ouais, ça suffit. Et en plus il passe niveau 36. Alors... je vais tester les Pokémon que j'ai changés. Ah. C'est cool. C'est bien, c'est bien. Allez, allez. Bon, va falloir la battre assez rapidement, hein, quand même. Parce que bon, on va pas y passer la journée non plus. Non mais lol. Oui, non mais sérieux. Bon, ça c'est fait au moins. On l'a battu le mystère. Bah. Il en reste un encore. Oh merde. Bah. Allez, autour de Carabaf donc. Déjà on va tuer Papillusion parce que bon il nous servira plus à rien. Voilà. Je fais quoi? Non non, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc moi je vous dis à plus tard et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, tout le tralala. Allez, ciao.